Voilà, je me présente que bah et il m'a blessé, dis ça aux gens qui m'a blessé. Moi c'est à l'état civil qu'on il m'a blessé encore. Qu'on a croisé Jean-François à l'état civil et donc d'artiste Kebaro, le monteur brutal. Voilà, j'ai 29 ans et je suis artiste humoriste. Kebaro, c'est un papa qui m'a donné parce qu'il voulait qu'il soit DJ. J'étais assis à la maison, mon père m'a dit Kebaro, cherchez sur moi. Avant c'était Monsieur le maire, après il m'appelait Kebaro et j'ai demandé qu'est-ce que ça signifiait. Ça signifiait, bonne nouvelle. Moi, il fait ma vidéo, moi, il dépose, ça t'a plu, à Rogodo. Hé, hey, si tu influences là, si tes parents ne t'influencent pas, c'est pas moi qui t'influence, champion. Chacun t'influence à sa manière. Tout compte fait, vu que en tout cas, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir comme moi, donc je pense que j'influence au côté bête, ça me suffit, voilà. Le côté, ils savaient qu'ils disent non, Kebaro, j'ai fait comme toi parce que tu es trop bête. Tu vois, tu fais des trucs, non, c'est bon, mais pourquoi, comment tu arrives à faire ça, tu vois, non. Et je sais pas. Ma gueule. Le rôle d'un influenceur ici, bon, nous les influenceurs de Côte d'Ivoire, là, notre influence, notre rôle, c'est de montrer ceux qui n'ont rien, qu'on a l'argent, c'est tout. C'est le rôle qui est là. Focus pour qu'ils nous envient. Oh, ils nous envient cadeau. Souvent, on a faim que même ça va. Et tiens, les gars, on vous montre que nous, en langue, vous serez aigris jusqu'à la vie. Zo. Big up, peace and love. Quand un influenceur a réussi, c'est qu'il a 1 million d'abonnés. Et puis, il est dans la boîte matin, il est comme Emma Louès. Voilà, il montre bon genre, bon chic. Je suis belle, c'est moi. On dit qu'elle est trop belle, c'est qu'elle a réussi. Et puis, s'il a une petite voiture à bord, c'est que les gens vont s'apprécier. Généralement, quand un influenceur a une voiture, il a réussi. 1 million d'abonnés, plus fait genre, la mise. Oh non, Jean, il est devenu trop mignon. Mon Jean, il a une voiture, une petite maison, un petit terrain. Il a réussi. Mes abonnés, moi, ce que j'ai envie pour vous là, c'est que soyez tous dans la joie. Moi, c'est pour vous apporter de la joie. Soyez dans la joie seulement. Avec que même s'il y a mort, même s'il y a guerre, moi, dès qu'il y a lu mon téléphone comme ça, net que tu me suis là, tu vas rire. Mais si tu es en deuil. Je prépare mes contenus de diffusion sur les réseaux sociaux là, par inspiration. Avec que ça vient comme ça, dès que ça vient net, et maintenant il y a finiment, on dépose. Si ça vous a plu, tant mieux. Ça vous a pas plu, tant pis. Ce qui est sûr, on a préparé, on a déposé, mangé. Bon, je dirais qu'on demain influencer à vie, vu que moi, quand je prends ma tranche d'âge avec le père Makoso, je pense que c'est à vie. On n'a pas encore eu l'argent, on va préparer les traites. C'est quand tu as eu l'argent que tu prépares les traites. On est en train de souffrir ici. Les parents appellent même, et même là, ils sont dans la retraite, mais puis ils t'appellent pour dire, et pour eux. Il n'y a pas de traite. Ok, en tout cas, le mot de fin, c'est pour vous dire, c'est la fin. Voilà, c'est terminé. Abonnez-vous à Pépé Sou.